Persona de Bergman. J'aimerais Tom Cruise pour tous les films d'action qu'il a fait. Et puis je pense que c'est un grand acteur. Enfin, le personnage, c'est autre chose, mais je m'en fous, je parle de l'acteur. Cameron Diaz. Ouais, je trouve qu'elle fait des. Les rôles qu'elle joue sont. Elle choisit comme ça, un peu de se moquer des choses d'elle-même, je trouve ça bien. Puis voilà, c'est. Enfin, il y en a pas mal quand même. Ce que j'aurais. Si j'avais pas été actrice, bah, je crois que je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais fait des petits boulots. J'aurais pas continué les études, ça je pense que non. Parce que je comprenais pas vraiment vers quoi ça allait me mener. Maintenant, je le comprends. Alors maintenant, avec quelques études de plus dans ma tête, je sais pas, j'aurais aimé être architecte, chef d'orchestre, danseuse, sculptrice, écrivain, ouais, prof de gym. Non, pourquoi pas. Je les retire pas, moi. Cassé. Pas les baisers où on voit les langues et il y a de la salive et il y a du bruit. Alors ça, je déteste. Non, des baisers où t'en emportes le vent, quoi. Vous voyez le truc un peu genre comme ça. Oh, il y en a. La première qui me vient à l'esprit comme ça, c'était dans Bon Voyage de Rapneau. À un moment donné, ça dégénère comme ça dans une brasserie d'hôtel, dans un restaurant d'hôtel. Et c'est formidable, quoi. Ça bouge dans tous les sens, c'est super. Non, je suis sûre qu'il y en a des mieux dans les films asiatiques. Il doit y en avoir des pas mal. Dans les John Woo, par exemple, ouais, c'est des bastons, des flingues, les trucs. C'est très beau. Je dirais Docteur Jivago. Grand film. Et puis bon, c'est une histoire... voilà, un jour, on m'a fait pour mon anniversaire une projection... de ce film pour moi toute seule que j'avais jamais vu et quand je suis rentrée dans le cinéma, c'était un cinéma à l'italienne comme ça, très joli, et je me suis rendu compte à quel point le cinéma c'était ma vie, je sais pas pourquoi, quand je me suis retrouvée là toute seule dans cette salle avec le film qui commençait, voilà, c'était un moment très très révélateur pour moi. Moi, j'aimerais bien avoir un cinéma où je peux projeter les films que j'aime, le temps que je veux. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu un petit peu compliqué, hein, l'espace pour le cinéma, pour exister, quoi. Il y a beaucoup de films, voilà. Donc, si je pouvais avoir ma salle de cinéma et me faire comme ça des projos pour tous ceux qui veulent venir, c'est pas mal. Je sais plus, il y en a une chez moi faite à l'insu de mes parents, ils n'ont rien remarqué, enfin, c'était l'après-midi, on a mangé un bout de pain et on a bu de l'eau du robinet, mais on s'est bien marré, on était ensemble tous à la maison. Sinon, celle-là, on va dire. Bah, ça me rappellerait qu'on a besoin des autres un peu plus souvent, quoi.